Bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va poursuivre dans une série absolument merveilleuse, les secrets d'une vie de prière efficace. Vous voulez certainement prier et voir des résultats, n'est-ce pas? Bien gloire à Dieu, on est en train de voir ensemble comment on peut vraiment prier les prières que Dieu va entendre et répondre. Donc, hier, on a vu en fait comment prier avec assurance. On a établi un fait très important qu'on doit s'approcher du Seigneur avec audace. On doit comprendre que Dieu nous a pardonné donné nous a purifiés et aujourd'hui si nous sommes purs bien Dieu nous invite à vraiment se présenter devant lui on peut lui, par lui partager nos requêtes de prière et vraiment avoir un sentiment que Dieu nous aime nous reçoit et en fait, on ne devrait pas prier avec un sentiment d'infériorité, d'indignité, même si oui, certainement, nous, nous marchons dans la crainte de l'Éternel, nous voulons honorer et avoir vraiment ce cœur rempli de révérence pour notre Dieu. Bien, on ne devrait pas s'approcher de Lui en s'imaginant que peut-être il va nous rejeter parce que nous sommes imparfaits ou, bref, on doit connaître notre identité en Christ. Donc, on a vu ça hier, c'est absolument important parce que sans cette révélation-là, on ne pourra jamais s'approcher du Seigneur avec foi. Et on va toujours être tremblant, mais pas avec une révérence pour le Seigneur, mais plutôt parce qu'on va avoir nos yeux fixés sur nous-mêmes, sur notre performance, et bref, on est vraiment à côté de la piste. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est être renouvelé aussi concernant notre appel à entrer dans notre autorité spirituelle. Donc, on va apprendre aujourd'hui à prier avec autorité. C'est absolument important pour vous si vous voulez voir des, euh, des, vraiment des percées, des, des réponses glorieuses dans vos vies. Donc, gloire à Dieu pour ça dans le psaume 118 au verset 17, il est écrit en fait c'est le psalmiste qui dit je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai tes œuvres. Bon, ça c'est un beau passage des écritures, nous aimons ça. Mais vous savez si vous euh, vous avez la révélation que vous êtes en autorité aujourd'hui, vous pourrez déclarer cette parole et même chasser les attaques du diable. Mais si vous êtes comme plusieurs chrétiens, vous êtes vraiment passifs, vous priez, vous suppliez Dieu en fait et la parole de Dieu nous parle de supplication D'intercession et toutes sortes de prières qu'on va voir aussi cette semaine. Mais parfois, il y a des chrétiens qui supplient Dieu pour des choses que Dieu nous a déjà données. Donc, on passe à côté de nos privilèges et c'est vraiment tragique. Euh, par exemple, ce texte que je viens de vous lire, le psaume 118 au verset 17 Je ne mourrai pas, je vivrai. Mais en fait, Mathilde et moi, mon épouse et moi, on a pris ce texte-là lorsque nous sommes entrés dans une guerre spirituelle pour ma belle-soeur qui, qui a eu un accident de voiture. Donc ma belle-sœur a eu un accident de voiture et j'ai déjà partagé à l'émission Vie de foi son témoignage au complet, mais en gros, ce que Mathilde et moi avons fait, nous avons exercé notre autorité spirituelle parce qu'elle était sur le point de mourir. Ma belle-sœur était vraiment entre la vie et la mort, mais la, la parole de Dieu est, est montée en nous et nous avons déclaré la vie, nous avons refusé qu'elle quitte. Nous avons refusé euh, que le diable vienne la prendre avant son temps. Donc on a déclaré euh, on, on on voyageait entre Bromont, euh, où nous habitons, et la ville de Montréal. Donc, on avait environ euh, une heure de trajet, une heure où on devait prier et déclarer quelque chose. On aurait pu juste supplier et dire ⁇ Oh Seigneur, oh Seigneur, fais quelque chose ⁇ Et certainement, nous avons prié euh, ⁇ Oui Seigneur, AVJ intervient ⁇ mais nous étions aussi dans une position de foi et d'autorité. Et on a déclaré la parole de Dieu et c'est ça que Dieu veut que vous puissiez commencer à faire dans, dans votre vie, dans votre vie de prière. Vous devez découvrir en fait les promesses de Dieu, les saisir par la foi et les déclarer. Donc aujourd'hui, c'est une journée très importante euh, parce que plusieurs chrétiens passent leur temps à supplier Dieu pour des choses et Dieu en fait est là dans le ciel. Il dit, écoutez, je vous ai déjà donné ce que vous demandez en ce moment. Donc, donc, on veut revenir maintenant et comprendre qui est en autorité en ce moment sur la Terre. Et j'aimerais ça vous citer euh, euh, vraiment une pensée euh, que l'homme de Dieu du 18e siècle, John Wesley, a, cité, euh, a, a déclaré. Il a dit, il semblerait que Dieu ou l'action de Dieu sur la Terre est limitée par nos prières. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, John Wesley, un homme célèbre, un homme de Dieu du 18e siècle, a dit, il semblerait que Dieu où l'action de Dieu sur la terre est limitée par nos prières. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que Dieu est limité? Non, Dieu est tout puissant, il est grand, il est capable de faire ce qu'il veut, mais dans sa souveraineté, Dieu a délégué à l'être humain une autorité. Et c'est l'homme qui gouvernait sur la terre dans le Jardin d'Éden, vous connaissez l'histoire d'Adam. Et Adam a cédé son autorité à Satan. Et quand nous lisons le récit de la tentation du Seigneur Jésus, nous voyons en fait que Satan était en autorité sur la terre parce que justement Adam lui avait cédé son autorité. Et là, Satan a tenté le Seigneur Jésus en lui disant, Si tu te prosternes devant moi, voilà tous les royaumes de la terre que je vais t'offrir, que je vais remettre en tes mains. Et le Seigneur Jésus a refusé, en fait, comme vous connaissez bien le récit, le Seigneur Jésus a refusé de se prosterner devant le diable parce qu'il savait très bien que le Seigneur Jésus connaissait la parole de Dieu et on ne doit pas adorer quelqu'un autre que le Seigneur Dieu. Donc, nous savons, en fait, que le diable était le Dieu de ce monde, selon 2 Corinthiens 4, 4. Mais, gloire à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ s'est déplacé du ciel à la terre et il a racheté l'autorité que l'homme a perdue. Donc, le Seigneur Jésus a racheté cette autorité. Et dans Matthieu 28, remarquez bien ceci, versets 18 et 19, le Seigneur Jésus a dit Tout pouvoir ou toute autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ensuite, ce qu'il a fait, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a lu ce texte-là souvent, et puis on n'a pas vraiment compris l'ampleur de ce texte. La Bible ici euh, contient la parole du Seigneur Jésus. Tout pouvoir m'a été donné. Remarquez là, le Seigneur Jésus, en fait, ici, a déclaré quelque chose d'absolument glorieux. Tout pouvoir, toute autorité a été donnée au Seigneur Jésus dans le ciel et sur la terre. Et là, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, l'autorité a été regagnée. Et là, donnez, allez, vous, là, les enfants de Dieu, vous, l'Église, allez, faites de toutes les nations des disciples. OK, mais souvent on, on peut être là, on peut prier, au oh Seigneur, euh, sauve sauve les âmes. Et oui, certainement, le Saint-Esprit va toucher les âmes, le Saint-Esprit va donner une conviction de péché aux personnes perdues, gloire à Dieu pour ça. Mais le, le Saint-Esprit, le Seigneur, s'attend qu'on va annoncer l'Évangile. Donc, si on s'attend que Dieu va tout faire, on se trompe. <laughs> pourquoi? Parce que, oui, Christ a racheté cette autorité, mais il a redonné cette autorité à son Église. Et je vais vous le prouver selon Éphésiens, chapitre 1, verset 22, 23. Et vous dites, mais pourquoi on a besoin de comprendre tout ça concernant la vie de prière? Bien, si on veut prier euh, vraiment avec autorité, nous devons recevoir la révélation que nous sommes en autorité. Et c'est par nos paroles que nous allons exercer la volonté de Dieu sur la terre. Ça, c'est hyper important. Si on ne comprend pas notre autorité en Christ, on va supplier Dieu pour des choses et Dieu va nous dire Bien, Écoute, je vous ai déjà, euh, je vous ai déjà donné ça. Donc, dans Éphésiens, chapitre 1, versets 22 et 23, il, en parlant de Dieu, a tout mis sous ses pieds il a donné euh, pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, Christ, est la tête de, de l'Église, il est le chef, Amen. Et son corps, bien, c'est l'Église. Donc, l'Église est le corps de Christ. Donc, comprenez ceci Christ est la tête de l'Église, le chef, OK, c'est Christ, et son corps, c'est nous. Amen. Vous êtes les mains de Christ sur la terre. Quand vous priez pour les malades, vous imposez les mains aux malades, gloire à Dieu, bien, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui imposait les mains à une personne. Pourquoi? Parce que si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes le corps de Christ. Amen. Donc dans Éphésiens 3 verset 10 dans la version Summer, le, le texte nous dit les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Par quel moyen Par le moyen de l'église. Donc l'autorité a été regagnée par Christ et ensuite il a donné son autorité à son corps qui qui le représente sur la terre et la Bible nous dit, c'est que par le moyen de l'Église, en fait, toute la, la gloire peut être révélée. Donc, nous sommes vraiment mandatés par le Seigneur lui-même. Nous devons agir en son nom. Et c'est vrai, on va prier pour les malades, on va faire des choses en son nom, mais aussi au niveau de la prière, c'est là où on va changer des choses. C'est là où nous pouvons déclarer des choses. Rappelez-vous aussi d'un fait très important, c'est que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, nous pouvons déclarer la vie, tout comme Dieu a déclaré que la lumière soit et la lumière fut, n'est-ce pas? Donc Dieu a créé par ses décrets, mais nous aussi, nous pouvons déclarer et créer des choses dans le monde spirituel amen. il y a des gens qui vont créer des, des, des malheurs. en fait ils vont déclarer des choses. on peut penser aux sorcières aux sorciers ils vont déclarer des choses terribles et puis les gens vont tomber malades et puis ils vont même mourir parce qu'ils sont sorciers. et puis ils vont déclarer ils ont compris en fait que, que la parole ou le décret d'une parole peut faire quelque chose dans le monde spirituel. souvent les chrétiens ne réalisent pas que leurs paroles en fait peuvent littéralement relâcher la gloire de dieu et oui, amen nous, nous ne sommes pas des sorciers, nous sommes des enfants de Dieu et au lieu de maudire, nous bénissons. Amen. Avec nos paroles, nous pouvons bénir nos enfants, nous pouvons bénir euh, notre épouse, notre époux, nous pouvons bénir notre église, nos pasteurs et puis bref, on peut bénir, bénir et vraiment déclarer la vie de Dieu sur les gens. OK, donc ce qu'on veut faire, ce que John Wesley a dit, il semblerait que Dieu ou l'action de Dieu sur la terre est limitée par nos prières. Savez-vous pourquoi C'est vrai ça. C'est absolument vrai. Parce que Dieu a choisi qu'il était pour donner son autorité sur la terre aux hommes. Et Dieu respecte toujours ses lois spirituelles. Dieu n'est pas un voleur. S'il a donné quelque chose, il ne viendra pas reprendre l'autorité comme ça. Donc, vous savez aussi, le Seigneur Jésus a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Il est venu dans la forme d'un homme. Pourquoi? Parce que l'autorité avait été donnée à un homme. Donc, c'est un homme qui devait reprendre cette autorité. OK, donc vous comprenez tout ça. Et là, remarquez une chose. Dans, Ma... Dans Matthieu 10, verset 8, il est écrit Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ce texte ne nous dit pas Oh, priez que Dieu guérisse les malades. Mais la Bible nous dit Guérissez les malades. C'est à vous, allez guérir les malades au nom de Jésus-Christ. Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Donc, on peut prier pour un lépreux et dire, « Soyez maintenant pur au nom de Jésus. » Ah, au nom de Jésus. « En mon nom. » On va lire un texte aussi dans Marc, chapitre 16, versets 17 et 18. Vous allez comprendre, en fait, la puissance que vous avez en tant qu'enfant de Dieu. Remarquez bien ce texte dans Marc 16, versets 17 et 18. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. » Remarquez bien, là. « en mon, en mon nom, ils chasseront les démons. » Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais tout ça est possible en mon nom et si nous croyons. Donc nous croyons. Parce que nous savons que nous sommes en autorité. Nous croyons en fait que nous avons une puissance surnaturelle, mais pas en nous-mêmes. Pas parce que nous sommes meilleurs qu'une autre personne. Non, mais c'est à cause de Christ, à cause de l'œuvre de Christ. Donc, remarquez bien ceci-là. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Croyez-vous aujourd'hui dans l'œuvre de la croix? Croyez-vous que le Seigneur Jésus a été victorieux sur la mort, qu'il est mort sur la croix pour vous? Amen. Et qu'il a payé votre dette de péché, qu'il est ressuscité d'entre les morts trois jours plus tard, et ensuite, il a remis son autorité, qu'il a regagné, il a donné son autorité à l'Église? Bien, si vous croyez ça, gloire à Dieu, vous réalisez aujourd'hui que vous êtes en autorité, et si vous vous n'exercez pas votre autorité, en fait, vous laissez le diable régner dans ce monde, mais pourtant, c'est à nous, les enfants de Dieu. Dieu nous appelle à régner dans ce monde par la puissance de Jésus-Christ. Amen. Donc, ce texte nous dit En mon nom, ils chasseront des démons. Des fois, on est là Oh Seigneur, s'il te plaît, je te prie de délivrer telle personne d'un démon. Mais Dieu nous dit En mon nom, faites-le. En mon nom, vous commandez des choses. C'est ça que Dieu vous appelle à faire. Donc, Dieu vous appelle à vraiment prier avec autorité. Et des fois, ces prières, en fait, sont des décrets. C'est une chose souvent, j'ai remarqué dans le corps de Christ, nous prions et nous demandons au Seigneur de faire des choses. Et des fois, nous ne connaissons pas sa volonté. Donc, on prie d'une façon vaine. Remarquez, en fait, un texte en parole, je l'ai lu hier et je veux revenir sur ce texte-là. Dans 1 Jean chapitre 5, au verset 14, il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et si nous savons qu'il nous écoute, parce que nous savons qui nous sommes en Christ, nous sommes dans une paix et nous sommes audacieux, nous avons cette confiance, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc la seule façon qu'on peut vraiment croire qu'on reçoit ce que nous prions, c'est si nous avons cette assurance. Mais comment avoir cette assurance, c'est si nous connaissons la volonté de Dieu. OK, c'est une chose très importante. Nous devons savoir en fait ce que Dieu veut. OK, vous dites... Okay, mais comment, comment vraiment savoir? Bien, en fait, on doit connaître la parole de Dieu. On doit connaître la parole de Dieu pour saisir les promesses de Dieu. Si, par exemple, vous priez toujours, euh, je ne sais pas, Seigneur, sauve mes enfants, okay, si c'est ta volonté, vous dites ça, si c'est ta volonté, Seigneur, sauve mes enfants. Et déjà, c'est une prière vaine, c'est une prière inutile parce que vous ne pouvez pas relâcher votre foi dans, dans une telle prière, parce que vous êtes en train de déclarer des choses si c'est ta volonté. Pourtant, la volonté est vraiment dans la parole. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous soient sauvés. Vous n'avez pas à prier si c'est ta volonté, car la volonté de Dieu est explicitement révélée dans la parole. Amen. Donc, ce que vous voulez faire, après tout ça, on réalise, OK. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant qui a été racheté de la malédiction, un enfant de Dieu béni, je suis revêtu d'une autorité spirituelle aujourd'hui. Comme j'ai fait, Mathilde et moi, on a prié pour ma belle-sœur. On a exercé notre foi. Ce n'est pas qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre. Ce n'est pas du tout ça. C'est simplement parce que nous savons qu'aujourd'hui, en ce moment, je dois prier la volonté de Dieu et je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu que ma belle-sœur meurt quand elle a 30 ans, par exemple. Non, mais Dieu veut qu'elle puisse avoir une longue vie selon le psaume 91 et le psaume 103. Donc, Dieu veut nous rassasier de longs jours. Et puisque je réalise que Admettons je pense elle avait peut-être 25 ans, euh, je ne sais pas trop mais ça fait un certain moment. Admettons elle avait 25 ans. Mais pensez-vous que Dieu voulait qu'elle quitte ce monde à 25 ans Non, Dieu avait prévu une destinée pour sa vie et on a dit au nom de Jésus, Satan, tu ne la reprendras pas, tu ne viendras pas euh, écourter sa vie. Maintenant dans le nom de Jésus, nous déclarons le Psaume 118 verset 17, elle ne mourra pas, elle vivra dans le nom de Jésus et elle racontera toutes les œuvres de Dieu. Amen. C'est ça qu'on a fait pendant une heure. Mais si on prie seulement, on prie seulement, oh Seigneur, et on pleure, des fois les gens disent bien, si je pleure, Dieu va être touché. Dieu est déjà touché. Mais Dieu a, vous savez, Dieu travaille d'une façon légale. Des fois, on est là, on pense parce qu'on pleure que Dieu va agir, mais Dieu nous dit, mais j'ai déjà agi. Le Seigneur Jésus Christ est mort sur la croix. Il a déjà tout accompli pour vous. Maintenant, l'autorité vous a été remise. Vous devez prendre et saisir les promesses de Dieu et les déclarer et dire dans le nom de Jésus, cette chose n'arrivera pas ou cette chose va arriver selon la volonté de Dieu. Donc, vous avez vraiment reçu une autorité très puissante et je crois que la majorité des chrétiens ne comprennent pas, en fait, qu'ils peuvent être très dangereux pour le royaume des ténèbres. Je crois que plusieurs chrétiens ne réalisent pas le niveau de puissance qu'ils ont reçu dans la prière. Et je pense, en même temps, c'est pour ça que plusieurs ne prient pas parce qu'ils se disent, oh bien. La prière, c'est une pratique, une discipline spirituelle. Et oui, en tant que chrétien, je devrais prier parce que je devrais avoir une relation avec Dieu. Ah oui, je sais, je sais. Mais en fait, c'est beaucoup plus que juste un devoir ou une discipline. Mais en fait, la prière, c'est un, un privilège immense où on peut vraiment venir devant le Seigneur Dieu, notre Créateur, et prier, lui livrer notre cœur, mais aussi recevoir de Dieu ses stratégies, recevoir de Dieu sa parole et des, des révélations pour notre vie. Et Dieu va nous parler. Euh, par exemple, euh, il n'y a pas si longtemps, on a reçu des révélations de la part de Dieu où Dieu a révélé qu'il y avait des sorciers qui priaient contre notre ministère. Bien, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a dit, Oh Seigneur, s'il te plaît, je prie qu'il puisse arrêter? Non, on n'a pas prié comme ça. On a plutôt exercé notre autorité dans la prière et on a commandé dans le nom de Jésus que ces sorciers cessent leur travail maintenant, dans le nom de Jésus. On a exercé notre foi et par la puissance du décret, ils ont arrêté. Ils ont arrêté et on a vu vraiment une belle percée. Je dis, Gloire à Dieu pour ça! Gloire à Dieu! Amen. Aussi au niveau de la maladie, par exemple. Euh, vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui tombent malades constamment. Euh, bon, il y a des mots, des mots qui courent, et puis les gens se disent, ah bien, c'est le temps des grippes, euh, c'est juste normal, je vais tomber malade parce que c'est... C'est la mode, je ne sais pas trop. Les gens s'imaginent, bien, voilà, c'est le temps de, de cette maladie, et puis, bon, voilà, je vais vivre comme ça. Et vous savez, la majorité des chrétiens ne croient pas que Dieu fait une différence pour les enfants de Dieu. Il n'y a pas de ligne de démarcation. Les, les enfants du diable et les, les enfants de Dieu vivent les mêmes choses constamment. Mais moi, je trouve que c'est anormal. Si Dieu nous a donné une autorité, et nous dit, en oh, mon nom, vous chasserez des démons, vous imposerez les mains aux malades. Bien, je crois ici qu'on doit comprendre que si en son nom, dans le nom de Jésus, nous pouvons exercer notre foi pour les autres, certainement nous devrions exercer la, la puissance de Dieu pour nous-mêmes. Amen. Donc, euh, je, je me souviens, j'ai posé la question à mes filles il y a peut-être un an. J'ai demandé à mes filles, euh, j'ai Floramé qui a maintenant 16 ans et Félicité qui a 13 ans. J'ai dit, j'étais vraiment curieux. Euh, je voulais voir est-ce qu'ils est qu avaient un souvenir que j'avais déjà été malade. Je disais, est-ce que vous vous rappelez d'un moment où papa a été malade Et puis les deux étaient comme ça. Non, on ne jamais, on a, on a a jamais vu malade papa. Et puis je voulais voir avec eux parce que je voulais vraiment être sûr que que moi, je n'avais pas rien oublié non plus. Mais en fait, je crois vraiment qu'on peut vivre dans la santé divine. Je crois que c'est une possibilité pour nous, les enfants de Dieu. Mais la seule façon qu'on peut vivre dans la santé divine et ne jamais tomber malade, c'est en exerçant notre autorité. Parce que je peux vous dire que le diable a déjà essayé de me rendre malade. Je me souviens, des fois, je ressentais des symptômes de grippe, par exemple. Je, vous savez, vous fait ressentir des choses. Et là, vous pouvez accueillir ces choses et juste dire, ah, bien, c'est normal, c'est le temps de la grippe, et, tout, et puis tout le monde tombe malade de ce temps-ci. Ou on peut dire, un instant, je ressens quelque chose. Là, je vais exercer mon autorité. La, la Bible nous dit, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Bien, vous avez dit, oui, mais ce texte concerne le péché. Et vous savez, une des choses que j'ai pu comprendre, et, et la, la sœur Audrey Mac a dit quelque chose que j'ai trouvé absolument merveilleux. Elle a dit, euh, en fait, on devrait voir ou percevoir la maladie comme le péché et je dis, je dis ça et je répète ces paroles ce n'est pas dans le sens de culpabiliser les gens malades ce n'est pas du tout ça la pensée ce que je veux vous aider à comprendre en fait c'est qu'on doit comprendre en fait que le péché et la maladie en fait font partie du même club si on veut parce que la maladie c'est le résultat du péché donc si on résiste au péché on dit non 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 moi je ne veux pas vivre dans le péché on peut aussi résister à la maladie et dire non, la maladie ne vient pas de Dieu, puisqu'elle ne vient pas de Dieu. Je vais résister aussi à cette chose-là. Je vais, je vais m'opposer à la maladie et tout ce qui vient du royaume des ténèbres. Et pour moi, euh, je veux vraiment résister parce que Dieu m'appelle à marcher dans l'autorité spirituelle. Et si je ne peux pas vivre dans la victoire... Concernant juste mon corps, si j'ai du mal à vivre dans la santé divine, c'est plutôt difficile peut-être de prier aussi parfois et, et encourager les autres à faire pareil si je ne le fais pas moi-même. Je veux en fait vivre ce que je prêche. Amen. Donc, si je le prêche, je veux le vivre. Et je peux dire gloire à Dieu parce que depuis des années, le Seigneur me donne la victoire à ce niveau-là. Alléluia. Merci Seigneur pour la santé divine. Mais, comme je vous dis, il y a eu des moments où j'ai ressenti des symptômes. Et là... J'ai discerné, ah, cette chose ne vient pas de Dieu. Si, par exemple, vous croyez que, que la maladie vient de Dieu, vous ne résisterez pas. Vous allez dire, ah, bien, Dieu va me façonner par ça. Dieu veut que, que je sois malade parce qu'une grippe, c'est vraiment la façon que Dieu va prendre pour m'instruire. Mais pour, pourtant, la parole de Dieu nous dit que c'est la parole que Dieu va employer pour nous instruire. La parole et le Saint-Esprit sont là, en fait, pour nous instruire dans toute la vérité. Mais il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent que c'est la grippe ou c'est une autre sorte de maladie. Donc les gens vont dire, la maladie est envoyée par Dieu pour nous enseigner. Moi, je ne crois pas du tout là-dedans parce que la Bible ne dit pas ça. La Bible dit plutôt le contraire. Donc si je réalise que la maladie vient du diable, je vais m'opposer, je vais résister dans le nom de Jésus. Amen. Et gloire à Dieu, là, je peux vivre dans la victoire à ce niveau-là. Mais là, si vous dites, mais comment vraiment exercer mon autorité? OK. Bien. Je dois comprendre que celui en autorité va déclarer la volonté de Dieu en connaissant la, la parole de dieu, je dois connaître la parole. je dois prendre du temps dans la parole de dieu. si j'ignore mon héritage en christ, bien, c'est très difficile pour moi de déclarer ce que j'ignore. donc, un patron aussi, admettons, vous êtes dans le monde séculier, dans votre travail, le patron va déclarer une chose. nous devons faire ceci ou cela cette semaine. le patron va le déclarer et les ouvriers vont répondre à ce qu'il dit. ils vont faire ce qu'il dit. et c'est la même chose spirituellement. vous devez réaliser que vous êtes en charge. vous êtes le chef. Amen. Vous êtes le chef dans votre monde spirituel et vous avez déclaré, certainement dans le nom de Jésus-Christ, que tous les démons de l'enfer doivent se soumettre. Ils doivent euh, être chassés. Amen. Et puis, vous devez prendre le territoire que Dieu vous donne. Celui qui est en autorité n'est pas superstitieux non plus. Euh, des fois, il y a des gens qui, qui sont là et s'imaginent, par exemple, dans Matthieu 6, verset 7, Jésus a dit, « En priant, ne, multi... ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. » qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Donc, ce n'est pas simplement le fait de répéter, répéter, répéter. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas d'être superstitieux, mais c'est de déclarer la parole de Dieu avec foi. Parce que j'ai lu la parole, j'ai cru la parole, et parce que j'ai cru, j'ai parlé. Parce que j'ai cru la parole, je vais déclarer la parole de Dieu. Mais ce n'est pas de tomber dans la superstition et dire, « Ah bien, à force de déclarer par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Là, peut-être Dieu va faire quelque chose pour moi. » Ce n'est pas du tout ça. Là. En fait, on va le déclarer parce qu'on le croit. Et en fait, dans Marc 11, verset 24, la Bible nous dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Mais remarquez, « en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Donc, si je suis dans la foi, là, ce que je vais faire après, dans Colossiens 4, 2 la Bible nous dit, persévérer dans la prière, veillez-y veillez avec action de grâce. Donc, la façon que je vais commencer dans la prière, je vais saisir une promesse de Dieu, je vais la déposer dans mon cœur et là, je vais demander, je vais réclamer au Seigneur, Seigneur, tu as dit telle chose dans ta parole, je réclame cette promesse pour moi-même maintenant, dans le nom de Jésus. Là, comme je l'ai réclamé, je l'ai reçu par la foi. Parce que c'est ça que la Bible dit de faire, Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. En priant, là, au moment de la prière, je l'ai reçu. OK, mais qu'est-ce que je fais après? Je vais persévérer dans la prière, mais si je crois que je l'ai reçu, je crois vraiment que j'ai reçu cette promesse de Dieu-là. Je l'ai reçu, mais qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Veillez-y avec action de grâce. Là, je vais commencer à louer mon Dieu. Merci Seigneur Dieu parce qu'aujourd'hui j'ai la victoire sur telle chose. Merci Seigneur Dieu parce que j'ai telle provision dans ma vie. Alléluia. Et là, je vais louer mon Seigneur, je vais louer mon Dieu. La seule façon que je peux le faire. C'est quand je découvre les promesses de Dieu et je découvre qui je suis en Christ, comme on a vu hier. Donc, je vais prier avec assurance, avec confiance, mais aussi en réalisant que je suis en autorité. Parce que Christ est mon chef. Alléluia. Christ est le chef de l'Église, mais je suis son corps. Et étant son corps, Dieu m'a appelé à prier et à décréter que sa volonté se fasse sur la terre comme dans les cieux. Amen. Au ciel, il n'y a pas d'hôpitaux. Au ciel, il n'y a personne de malade. Dans le ciel, il n'y a personne dans la pauvreté qui cherche de la nourriture. J'ai faim, j'ai faim. Non, non, non. Au ciel, il y a la provision de Dieu. Il y a la paix de Dieu, la joie du Seigneur. Oh, gloire à Dieu pour le ciel. Mais Dieu nous a dit, le Seigneur Jésus nous a dit de prier que Sa volonté se fasse sur la terre comme dans les cieux. Alléluia. C'est quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui. Mais réalisez-vous que vous avez de l'autorité, que vous êtes en autorité en ce moment même. Peut-être vous attendez depuis des années et peut-être vous priez, Oh Seigneur, délivre-moi, s'il te plaît, délivre-moi de telles choses. Et Dieu vous dit, Vous avez déjà été affranchi parce que le Seigneur Jésus vous a libéré il y a 2000 ans. Vous savez, cette révélation-là, cette connaissance change une vie spirituelle. Au lieu d'être victime, au lieu d'être passif, vous, vous êtes là dans la foi, dans l'autorité. Vous, vous êtes debout spirituellement. Et vous empêchez euh, tout ce que le diable veut faire contre vous. Vous l'empêchez. Vous êtes la police de Dieu, la police du Saint Esprit. Et gloire à Dieu par votre autorité spirituelle que vous avez reçue grâce au Seigneur Jésus. Tout ce que nous recevons, c'est grâce au Seigneur Jésus et l'œuvre de la croix. Bien vous, vous allez de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je prie vraiment que vous ayez euh, reçu aujourd'hui cette révélation pour vous-même. Et demain, on va poursuivre en voyant un sujet très important comment prier. Toutes sortes de prières que nous retrouvons dans Éphésiens, ce texte-là nous parle. On doit prier toutes sortes de prières, mais connaissez-vous les sortes de prières Bien, si vous connaissez pas encore les sortes de prières qu'on retrouve dans la parole de Dieu, c'est un rendez-vous divin demain à ne pas manquer de ce demain. Soyez richement bénis.